la civilisation latine. Et c'est pourquoi la négritude, c'est le monde nègre, c'est la civilisation nègre, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde nègre. De ce point de vue, les anglo-saxons ont raison de s'enraciner dans la culture anglo-saxonne et les latins dans la culture latine, dans la latinité, et les slaves, les russes dans la slavitude, dans la culture slave, et c'est pourquoi, étant des nègres, nous devons nous enraciner dans la négritude. C'est l'aspect objectif du problème. Il y a aussi l'aspect subjectif. Il ne s'agit pas, en cette seconde moitié du XXe siècle, avec la totalisation et la socialisation du monde, il ne s'agit pas de vivre comme vivaient les nègres d'antan, comme Mame Dayane ou comme Dauphine Diouf. Il s'agit de vivre notre négritude aujourd'hui, inc et nunc, n'est-ce pas, dans cette seconde partie du XXe siècle. Il s'agit donc enraciné dans nos valeurs propres de civilisation, de nous ouvrir aux valeurs complémentaires à la modernité, à l'esprit de rationalisme. Et donc, pour prôner la raison intuitive, nous ne sommes pas contre la raison discursive. Et plus nous sommes enfoncés dans la négritude, plus nous devons faire de Descartes notre bonne vieille.